Merci à vous, bonjour. Donc moi, je vais vous présenter un article qui a traité de la vie et de la mort dans l'insuffisance cardiaque avancée. C'est une étude qui a été réalisée dans une population gériatrique fin de vie. Merci de la suivante. Donc en fait, le contexte, c'est que finalement, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui va imputer la durée de vie, hein, et en particulier se compliquer, s'émailler d'épisodes à la fois d'insuffisance cardiaque aiguë et de décès. On sait que cette maladie a une implication psychosociale et importante notamment, et aussi des symptômes physiques qui sont invalidants. Chez les patients âgés, cette maladie est d'autant plus prévalente, et en particulier chez les patients de plus de 70 ans. Elle se loge en fait dans la vie du patient, au même titre que d'autres pathologies chroniques, et qui en fait, conduisent à des tableaux chez le patient gériatrique complexes et polymorbides. Et donc en fait, cette étude s'est surtout intéressée chez les patients âgés et très âgés qui présentaient une insuffisance cardiaque avancée, sur leur perception de la maladie et d'identifier les paramètres, les nécessités médicales, psychosociales et informatives dans cette phase particulière qui est la fin de vie. Merci, diapositive 100. Donc, en fait, l'originalité de cette étude et ce pourquoi je l'ai choisie, bon, déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur le sujet cardiologique, insuffisance cardiaque et fin de vie. Et je remercie Thibaut de nous avoir proposé de présenter des papiers sur cette thématique. Et en fait, deuxième chose, parce que c'est une étude qualitative longitudinale. Et en fait, ce sont le type d'études qu'on réalise rarement en cardiologie, puisqu'en fait, en général, on fait des études quantitatives avec des statistiques et des critères entre guillemets durs, qui sont souvent le pourcentage de MACE ou le pourcentage de décès. Ici, on n'est pas du tout dans le même type d'étude. On est des patients âgés et très âgés qui avaient de l'insuffisance cardiaque, qui étaient hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë, et donc c'était le suivi après insuffisance cardiaque aiguë dans un hôpital en Allemagne. Et en fait, on leur faisait des interviews tous les 3 mois pendant environ 18 mois, et on regardait par une technique en fait d'analyse de champs sémantiques, hein, en fait c'est de l'analyse de champs textuels, quels sont les termes qui reviennent le plus souvent chez les patients. Donc, ils ont recruté 25 patients et ils ont fait au total 95 interviews avec un guide que je vais vous présenter juste après. Donc voilà le mode de déroulement. Donc ils ont fait donc plusieurs fois le questionnaire chez les 25 patients, hein, et en fait le guide de l'entretien, c'était des questions autour de la maladie en soi, l'insuffisance cardiaque avancée et l'âge, et donc en particulier la perception de l'insuffisance cardiaque, l'adaptation au changement de condition et le retentissement sur la vie et la qualité de vie, et l'information concernant la maladie. Il y avait des questions aussi sur la fin de vie. Est-ce que les patients étaient préparés en particulier sur la fin de vie? Il y avait des questions sur la perception de l'accès aux soins et des soins. Est-ce qu'ils étaient en fait continus? Est-ce qu'ils étaient appropriés? Et des questions sur les relations interpersonnelles, donc les patients et les relations avec le soignant, et les patients et leurs relations avec leur famille. Et donc, tous ces interviews étaient collectées, hein, c'est des interviews enregistrées. Et en fait, après, en fait, il y a une analyse, il y a des traitements, en fait, il y a des logiciels qui traitent les champs textuels et qui permettent de faire des analyses de champs textes pour analyser plus en détail les champs sémantiques et les mots qui reviennent le plus souvent chez les patients pour analyser, en fait, les résultats. Diapositive suivante. Alors, les patients, en quelques détails, donc c'est une étude, c'est comme ça que ça a été présenté, c'est une étude principalement psychosociologique, hein, et d'ailleurs, en fait, c'est surtout dans ce type d'étude qu'on fait des analyses qualitatives.
Et donc, on connaît l'âge des patients. Donc, c'est des patients très âgés, hein, 85 ans en moyenne. Et ils étaient, 80% étaient mariés. Ils vivaient pour 72% d'entre eux à la maison. Ils avaient une infirmière dans 28% des cas, un cas sur trois. Et ils avaient une famille entourée, entourante dans un tiers des cas, un partenaire dans 20% des cas. Et une infirmière à domicile dans un tiers des cas. Diapositive suivante. Là, c'est un diagramme qui présente en fait pour les 25 patients l'évolution de la maladie. C'est un peu pour voir finalement cette étude, c'est une étude longitudinale sur 18 mois. Il y a eu donc au moins, il y avait un questionnaire tous les 3 mois. En fait, c'est juste pour vous dire que les patients étaient sévères, puisque déjà ils venaient d'être hospitalisés, ils étaient à un âge avancé. Par ailleurs, en fait, il y a environ un tiers des patients qui sont décédés en fait, qui sont décédés rapidement en fait dans l'évolution. Donc c'est vraiment des patients qui étaient graves, voilà. Et en fait, ils avaient parfois ils avaient une détérioration de leur état psychologique, parfois une détérioration aussi de leur état cognitif. Et donc l'étude aussi a regardé quelles étaient les proportions de patients qui avaient des aides à domicile et de la famille. J'ai passé. Et donc les résultats. Donc en fait, le premier résultat, c'est que la première chose, c'est que les patients ne voyaient pas l'expérience d'avoir été hospitalisé pour insuffisance cardiaque comme un facteur limitant sur sur leur vie. En fait, finalement, ils voyaient des restrictions fonctionnelles qui étaient en lien avec leurs conditions, mais que souvent, ils ne reliaient pas forcément cela avec l'insuffisance cardiaque déjà. Et deuxièmement, ils voyaient en fait une limitation dans leur vie quotidienne, mais finalement, disons, attachaient surtout ces symptômes à leur âge. Leur priorité, c'était en fait, ils avaient des priorités surtout sur la qualité de vie et leur capacité fonctionnelle, beaucoup d'attentes par rapport à ça. Les principales plaintes, en fait, qu'ils avaient, c'était surtout sur les douleurs, un peu moins sur la dyspnée ou la fatigue, qui étaient souvent des critères qui étaient imputés à leur âge. Ils avaient effectivement, quand on leur posait la question sur la connaissance autour de la maladie, finalement, beaucoup d'entre eux disaient que, ils n'étaient pas du tout au courant de qu'est-ce que c'était que l'insuffisance cardiaque, et comment il fallait faire avec cette maladie et en quoi elle imputait leur qualité de vie ou raccourcissait leur temps de vie. Et donc, ils étaient en demande d'information par rapport à ça. Et donc, par ailleurs aussi, il y avait une chose qui revenait souvent dans les questionnaires, dans les réponses aux questionnaires, c'est que finalement, il y avait un gap entre la fin d'hospitalisation, le retour à domicile, avec parfois une transition avec le professionnel de santé qui n'était pas évidente à gérer, du coup un déficit d'information, parfois des limites sur l'accès au traitement. Et puis des discussions d'ouverture sur les questionnements qui pouvaient se poser, qui n'étaient pas forcément faciles à aborder de ce fait d'une difficulté d'accès aux soignants. Diapositive suivante. Donc finalement, en résumé de cette étude, les patients âgés de cette étude avaient donc un manque important concernant l'information et la sévérité de la maladie. Insuffisance cardiaque. Ils se plaignaient d'un manque de communication avec les personnels soignants et qui se focalisaient principalement sur le traitement curatif et non sur la qualité de vie. En fait, ils auraient bien aimé avoir plus d'informations sur comment mieux améliorer la gestion de leur maladie par eux-mêmes et en particulier sur la gestion des situations d'urgence et de la fin de vie qu'ils ne savaient pas trop envisager, en fait, et qu'ils n'avaient pas trop mis en lien avec l'insuffisance cardiaque. Et en fait, donc, concernant le point particulier des soins palliatifs, en fait, il y avait très peu de, il y avait pas très peu de, 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 de
de questions. En fait, il n'y avait pas spécifiquement de procédure concernant les soins palliatifs dans cette étude. Et de ce fait, il y avait un manque aussi, je pense. Enfin, il n'y a pas du tout de prise en charge d'un point de vue soins palliatifs sur cette maladie insuffisante cardiaque. En tout cas, c'est ce qui ressortait aussi du papier. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, donc ben, j'avais une question, mais en fait, tu as répondu dans ta présentation. C'est vrai que je voulais savoir quel est le type de patient âgé. Est-ce que c'était des patients fragiles? Est-ce qu'ils avaient d'autres comorbidités? Mais bon, tu m'as répondu en me disant que c'était des patients qui étaient exclusivement des patients insuffisants cardiaques et puis qu'on n'avait pas trop d'idées sur les pathologies associées. Donc, j'avais une autre question, une autre remarque, c'est que finalement, il ressort de cette étude un petit peu ce qu'on disait précédemment, il y a un manque de communication claire, quoi. On ne parle pas à nos patients. Oui, c'est On ça leur en fait. propose Alors, des c'est des. thérapeutiques. Oui, exactement. Donc, en fait, ça revient, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cet article et je vous remercie d'avoir abordé le sujet. C'est que moi, j'ai un intérêt sur la consultation d'annonce, la formation du patient. Hein. On a mis en évidence avec Logique et avec Thibault dans plusieurs études qu'il y avait un grave manque de communication et d'information sur le patient, à la fois sur les symptômes, sur la maladie en soi, sur quels étaient qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque et aussi sur comment gérer l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Et c'est exactement ce qui ressort aussi de cette étude. Hein. Donc en fait, on est vraiment finalement sur une problématique européenne, puisque en fait l'étude a été faite en Allemagne et on voit qu'en Allemagne et en France c'est à peu près pareil. Hein. On voit que les cardiologues sont tout à fait focus sur une prise en charge curative, médicale ou technique de la maladie et non pas sur une dimension, disons, d'information et sur un encadrement médical au sens informatif et au sens plutôt sur les paramètres d'auto-soin, hein, de qu'est-ce que je peux faire déjà pour améliorer ma santé, moi, en tant que patient, alors qu'il y a quand même, mais je suis des patients qui étaient très âgés, hein, 85 ans, il y a quand même encore des problématiques par rapport à, mais moi, je ne savais pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses et je ne suis pas au courant, quoi. Donc, on voit qu'il y a un grand travail à faire. Là-dessus, Thibault disait oui, il y a la consultation d'annonce à l'entrée dans la maladie. Et effectivement, il y a, je pense, aussi une deuxième partie de travail sur l'insuffisance cardiaque avancée et l'évolution dans la maladie où là, effectivement, on peut s'aider d'autres professionnels de santé, pas que les cardiologues, pour avancer dans la prise en charge, puisque on sait que les patients insuffisants cardiaques, ils sont souvent dépressifs, ils sont souvent anxieux. Et en fait, toute cette dimension de la maladie, n'est pas du tout pris en charge, enfin très peu pris en charge par, en tout cas, par les cardiologues et peut-être pas suffisamment bien, je dirais. Donc, du coup, je pense c'est important de s'entourer des gens qui savent le faire mieux que nous. Et en particulier les soins palliatifs, c'est les bonnes personnes, je pense. D'autres remarques? Ah, ton micro. Finalement, c'est vrai que on le remarque tous. On est surtout sur une approche très curative. C'est plus gratifiant et puis ça marche pas. C'est assez binaire et c'est plus facile à vivre, je dirais. Mais c'est vrai que la dimension accompagnement autour, où on est moins à l'aise parce que c'est des domaines qu'on maîtrise un peu moins. Peut-être l'arrivée aussi de personnels paramédicaux qui ont une autre approche avec les infirmiers et infirmières de pratique avancée vont pouvoir nous aider autant par le temps disponible pour les patients que pour une approche et une vision qui est peut-être un peu moins centrée sur un résultat vivant-mort. Et peut-être que les études qu'on voit arriver à l'heure actuelle où la qualité de vie apparaît de plus en plus en critère secondaire, voire même dans le critère primaire, notamment grâce aux approches en win ratio. On les voit apparaître, un patient n'est pas mort, il n'est pas réhospitalisé, est-ce qu'au moins on a amélioré sa qualité de vie, qui compte comme un succès du coup, devrait, j'espère, à l'avenir nous aider à intégrer cette partie-là dans nos thérapeutiques. Oui, je pense que, effectivement, hein, que
des bonnes remarques et de surtout ne pas rester seul, je pense, hein, comme tu dis, de faire appel aux gens qui ont plus de temps, si on peut, les infirmières, des psychologues, des gens qui sont plus en plus. Parce que nous, dans notre formation, on ne va pas changer notre formation. Pour l'instant, en tout cas, on aurait un besoin d'avoir une formation peut-être plus, psycho-comportementale, mais en fait, voilà, on a une formation très technique et on ne peut pas non plus nous demander d'avoir forcément, enfin, on a naturellement une certaine empathie ou sympathie pour les patients. L'idée aussi, c'est de laisser aux gens qui ont peut-être aussi le temps et d'avoir plusieurs professionnels, de voir, bon, voilà, le médecin a abordé la partie très technique de la maladie. Mais ce qui est important, c'est d'envisager qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a d'autres professionnels qui ont le temps et qui ont la compétence pour envisager d'autres parties de la prise en charge de la maladie et de savoir y avoir à les questionner au moment et leur demander d'intervenir au bon moment. Je pense que c'est important, effectivement. Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la réforme des études médicales. Hein. Donc là, on est en train de modifier complètement la formation des médecins avec l'apport de la compétence. Et dans la formation des étudiants à la compétence, il y a la formation à l'annonce, à la communication, hein, qui va être vraiment au central dans la formation et l'évaluation de nos étudiants. Donc, je pense que vraiment, les choses vont évoluer et je pense qu'on aura de futurs collègues qui seront mieux formés à ça. Bon, je crois qu'il va falloir terminer. Donc, merci à tous pour ces échanges. Et donc, le prochain rendez-vous est prévu le 23 mars 2023. Donc, le sujet vous sera communiqué ultérieurement. Bon après-midi à tous et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Tout le monde.